Coucou mes petites bombes atomiques, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Vous m'avez trop manqué. Et je vous jure les filles, hein, si pendant un jour, genre je suis pas trop présente sur les réseaux, et ben je sais pas, j'ai trop l'impression qu'on s'éloigne. Je sais pas, là on dirait les filles, ça fait je sais pas, 2 mois que j'ai pas été présente, alors que il y a que hier que j'ai mis des stories vite fait. Mais genre j'ai trop l'habitude de parler avec vous, de répondre à vos messages, je sais pas. Et là ça me fait trop trop bizarre. Limite là je suis timide. Non bref les filles, franchement Courchevel c'était trop bien. Ça m'a fait du bien de voir mes amis. Je me suis amusée. Je me suis détendue. Là, je suis rentrée, les filles, en pleine forme. Je suis en train de mettre mon sérum Girl Power. Je suis rentrée en pleine forme, les filles. Franchement, là, je suis reboostée, les filles. Bref, là, je mets mon petit sérum. Aujourd'hui, je vais cuisiner, les filles, comme ça, je vais vous donner une recette trop, trop bonne d'un tagine que je fais trop, trop bien. Ma frange, les filles, vous m'avez toutes dit que ça m'allait bien. Et par contre, je l'ai trop trop mal coupée, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, je vais faire venir la coiffeuse pour qu'elle me rattrape tout ça, ma coiffeuse Dounia. À chaque fois, les filles, je me coupe après, je fais tout le temps des conneries. Les filles, regardez ma frange, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je l'ai trop trop mal coupée, elle veut plus rien dire. Ça, c'est du moi tout craché, les filles. Moi, je fais des trucs sans réfléchir. Et après, je regrette. Ah là, elle veut plus rien dire. Donc là, aujourd'hui, les filles, je vous explique le programme. Donc, je reste à la maison. Je vais faire un peu de rangement. Je vais cuisiner, comme ça, je vous donne une recette. Je suis en train d'organiser mon départ de la France pour Dubaï. Je vais bientôt rentrer à Dubaï, les filles. Je vais essayer de faire venir ma copine Dounia pour qu'elle m'arrange ma frange et ma copine Elidja pour qu'elle m'arrange mes cils. Mais vous savez quoi, les filles, ça me fait culpabiliser, les cils, les cheveux et tout. J'ai envie de tout enlever. Vraiment. En plus, quand j'enlevais les extensions, on m'avait dit que j'étais belle. Mais après, je sais pas, les filles, c'est trop bizarre. Après, je me sens pas bien dans ma peau sans mes artifices. Mais après, genre, ça me fait culpabiliser. Bon, mais bon, faut que je vous parle de Girl Power. Ça, je l'ai complètement intégré dans ma routine skincare. C'est de la bombe atomique. Déjà, ça, c'est le nouveau packaging. Regardez comment il est trop beau. En fait, c'est un sérum que vous mettez pendant votre routine skincare. Et en fait, regardez les filles, ça enlève les poches sous les yeux, ça enlève les rides ici, ça lisse la peau, ça va venir donner un effet liftant sur le visage, ça va remonter les pommettes. Les filles, c'est une dinguerie. Regardez, là, j'ai pas de filtre. Et là, pour vous montrer, regardez, j'en ai appliqué que dans un seul côté de mon visage et pas dans celui-ci. Et en fait, il faut bien masser, vous pouvez appliquer jusqu'à 4 couches, les filles. Et regardez. C'est une dinguerie. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Regardez, j'en mets là et là. Et regardez la différence. Regardez de ce côté de mon visage. Regardez comment ça me lift le visage. Comment ça réveille le visage. Regardez. Regardez la cerne. Elle a complètement disparu alors que là, elle y est. Regardez. Faut bien faire pénétrer comme ça, les filles. Regardez. Ici, regardez comment mon visage ici il est étiré et là comment il tombe. C'est une dinguerie, les filles. Les filles, le sérum Girl Power, c'est une dinguerie. Regardez mon visage, les filles. Regardez de ce côté comment il est lifté et de ce côté, regardez. J'en ai pas appliqué, mais c'est juste pour vous montrer. Je m'en appliquais. En fait, quand vous l'appliquez, les filles, vous pouvez mettre jusqu'à 4 couches. Vous en appliquez sur la zone où vous voulez repulper. Donc, moi, j'en applique sous les yeux. J'en applique ici, sur l'arête.
regardez la différence. Et j'en applique ici au niveau des pommettes. Ça va venir me lifter le visage, ça va venir m'enlever les cernes. Les filles, je jure, c'est une dinguerie. En plus, ils ont changé leur packaging. Leur packaging, il est trop beau. Avant, il était noir. Et même ma mère, elle a complètement intégré à sa routine. Et sur ma mère, les effets, ben, on les voit mieux parce que ben, du coup, elle est plus âgée que moi. Mais moi, ça, je ne peux plus m'en passer, les filles. C'est de la bombe atomique. Ça resserre les pores, ça lift le visage, ça enlève les cernes. C'est une dinguerie. Girl Power, les filles, elle a plein de gloss repulpants, donc plein de teintes. Faut aller voir sur le site, rouge, nude. Regardez, elle a vraiment plein de teintes. Moi, ça, je vous dis la vérité, j'en applique pas parce que mes lèvres, elles sont refaites et que j'en ai pas besoin. Mais je vais vous montrer comment il marche trop bien, les filles. Donc là, je vais vous montrer, je vais appliquer le transparent. C'est une dinguerie, les filles. Vraiment. Si vous voulez repulper vos lèvres, pour ne pas faire d'injection. Il marche trop bien. Regardez. Là, vous allez sentir après, ça va picoter fort, les filles. Et au bout de 30 secondes à peine. Alors là, je sens, ça fait effet. Regardez les lèvres. Je vous jure, vos lèvres, elles vont doubler de volume. Vous allez voir sur moi. Les filles, je me suis rincé la bouche là pour enlever le gloss repulpant. J'ai la bouche en feu, regardez. Même en rinçant, regardez comment elle a doublé de volume. Bref, je voulais vous parler de ce produit. Ce produit-là, c'est un baume hydratant, éclaircissant de chez Girl Power. Les filles, c'est une dinguerie. Ça, complètement intégré à ma routine. En fait, ça va venir hydrater les lèvres, mais aussi les éclaircir. Ça, c'est, si vous avez, vous savez, les lèvres colorées, si par exemple vous fumez, ou parce que ben, vous avez une coloration naturelle, genre que vos lèvres, elles sont pas rosées, eh ben, ce baume à lèvres, les filles, il va venir hydrater trop bien vos lèvres et l'éclaircir. Pareil, vous pouvez mettre plusieurs couches. Vous l'appliquez journée et soir. Et c'est une dinguerie, les filles. Ça redonne votre rose naturel à vos lèvres. Trop bien. Les filles, c'est le côté qui est fait. D'accord, regardez comment c'est canon. Et donc là, vous avez le côté qui est pas fait. Donc on voit bien la différence, ça fait hyper canon. La cerne, elle est plus visible. Les pommettes, elles sont remontées. Et bref, les pores, ils sont fermés. Ça fait trop canon. Et les filles, j'ai un gros code Girl Power à vous partager. Et la vérité, la marque Girl Power, c'est une pépite. Leur produit, c'est une dinguerie. Moi, leur sérum et leur baume, je l'ai complètement intégré dans ma routine. Et j'ai eu que des bons retours de toutes celles qui ont commandé avec mon code. Elles ont toutes kiffé. En plus, le packaging du sérum, il a changé, les filles. Il est trop bien. Bref, mon code, c'est 30% de réduction. Vous avez le paiement en 3 fois sans frais aussi, les filles. Donc, je vous partage tout à l'écrit. Bref, je continue à appliquer mon sérum du coup de l'autre côté du visage. Les filles, je vous ai promis, je vais tout faire pour essayer de me snapper sans filtre, de m'accepter sans filtre. Alors j'essaye un maximum, les filles. Alors je vous dis ce que j'aime pas chez moi, les filles. En plus, regardez, je devais partir le 13 de Courchevel, c'était prévu. Et du coup, ou le 12, je crois que je suis restée 2 jours en plus, les filles. Parce que Manon m'a dit rester tout. Et du coup, j'avais des rendez-vous. D'ailleurs, j'avais rendez-vous pour enlever mes taches de rousseur. En fait, regardez, celle qui me les a fait la dernière fois m'a fait des points, on dirait des points noirs, c'est tout dégueulasse. Donc j'ai rendez-vous au laser pour l'enlever. J'ai rendez-vous, je vais aussi me faire détatouer les sourcils. En fait, j'ai envie d'être beaucoup plus naturelle, les filles. Et du coup, j'ai envie d'enlever tout ça. Mais j'ai raté mon rendez-vous, je suis trop deg. Donc là, je vais appeler... Je vais reprendre rendez-vous. Oh là, vraiment, c'est trop moche, les filles. Elle m'a fait des points noirs. Mais même mon tatouage, j'ai envie de laisser que mes poils. Ça va faire plus beau. Ça chauffe. Les filles, je vais vous dire tous les défauts que je me trouve et pourquoi je mets tout le temps des filtres. Alors déjà, ce que j'aime pas sur mon visage, c'est mes taches de rousseur ratées. Là, je vais me poser là, je vais appeler. Donc ça, c'est pour ça que je mets des filtres aussi, ça me complexe un petit peu. Mon tatouage aussi, j'ai envie de détatouer.
et de laisser que mes poils, surtout que j'en ai, je trouve ça trop beau le brow lift. Et les filles, ma cicatrice ici en bas du nez. Donc je vous avais dit que je devais me faire opérer et tout. Mais en fait, si je me fais opérer, les filles, pendant 10 jours, je peux plus parler et tout. Donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire pendant 10 jours, je vais couper les réseaux. Mais il faut que j'organise parce que déjà ma cicatrice ici elle est trop trop moche. Donc voilà, tout ce que j'aime renlever. Donc ma cicatrice, me faire détatouer les sourcils, mes taches de rousseur ratées et me dégonfler aussi les fesses. Ça aussi, en fait il faut que je prenne le temps d'organiser tous ces rendez-vous. Surtout que je rentre bientôt à Dubaï. Donc voilà. Et aussi mes bombes, les filtres, je les mets par habitude, hein, parce que depuis que j'ai commencé les réseaux, c'est 6 ans, je suis habituée à mettre un filtre. Il faut que je perde cette habitude. Une fois, j'en ai parlé avec Jess, et elle m'a dit, ben, au début, c'est compliqué, et après, ben, tu prends l'habitude de pas en mettre. Voilà. Et aussi, il faut que je m'accepte. Bon, les filles, je suis en train de faire à manger. Je vous montrais ma recette de tagine boulette. Quand je vais avec Akram, il aimait trop que je fasse ça à manger. Donc là, je suis en train de découper des oignons, les filles. Mais ma mère, elle a acheté des oignons petits comme ça. Pourquoi? Parce que quand je cuisine, comme on n'est pas beaucoup, à chaque fois, je jette l'autre bout d'oignon. Mais ils font pitcher tes oignons. Ouais, mais j'aime bien les petits. Je trouvais qu'ils étaient choux. Je te promets. Il n'y a pas de gaspillage. Il faut 5 oignons pour avoir beaucoup d'oignons. Tu peux en rajouter encore un? Je montre à ma mère. Alors ma mère elle est plus forte que moi pour le tagine de poulet aux olives et moi je vais vous montrer mon tagine de boulette. Je t'ai mis la poubelle à côté. Oh, merci. C'est bon chef. As-tu besoin d'autre chose? Non. C'est bon, je peux te laisser. Tu veux pas que je te montre? Non, cette recette, elle est incroyable. Non, mais je la verrai ta recette, je vais t'espionner sur... Les filles, vous allez kiffer, elle dure vraiment pas longtemps. Merci. Ah, j'ai oublié de sortir. Ah non, c'est bon, tu prends avec la cuillère. La petite cuillère. Voilà. Allez, donne. Tu veux quoi? Je te les épluche? Non, je vais le faire, ça y est, c'est couché. C'est bon? Mmh. Fais gaffe, ils coupent vachement mes couteaux. Ouais, j'ai vu. Les oignons, là, il faut un oignon comme ça mixé. Non, là, j'ai mixé 4 oignons. Enfin, un gros oignon, quoi, parce que ma mère, voilà les oignons de ma mère. Ils sont mignons. Je les aime bien. Tiens, je te veux tout le tagine. Et après, il faut des oignons. Alors, je vous montre les bombes. Vous prenez vos 500 grammes de viande hachée. Ensuite, vous prenez votre pain de mie que vous avez trempé dans du lait. Vous mettez dans la préparation. Là, on prépare les boulettes. Ensuite, on met l'oignon bien haché. Ensuite, là, on va mettre les épices. Donc là, c'est piment fort, les filles. Ensuite, ras el hanout rouge. Ensuite, un petit peu de curcuma. Ensuite, du poivre. Hein? Du sel. Le fond du lait, on peut le mettre, les filles. Là. Vous allez venir tout mélanger. Voilà, la viande est encore un peu congelée. Là, vous mélangez tout et vous faites vos boulettes. Et ensuite, les filles, quand ça a bien, vous avez bien mélangé, vous faites vos boulettes. Ensuite, les filles, vous mettez du concentré de tomate. Ensuite, on va remettre les mêmes épices. Donc, piment fort, ras el hanout, hop là,
kurkuma. Sel, poivre, je vous montrerai. Ensuite, les filles, vous prenez de l'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau dans le truc à oignon. Ensuite, le sel. Le poivre. Coulis de tomate. Et là, vous venez bien mélanger les filles. Là, c'est vraiment une recette d'un tagine en 5 minutes, les filles. Bien cette recette, et là on rajoute encore de l'eau. Et on mélange bien avec un peu. Ensuite, les filles, du beurre et un bon filet d'huile d'olive. Hop là. Ensuite, vous mettez vos oignons coupés en lamelles comme ça. Je trouve qu'elle est trop rapide cette recette, les filles. Mais là, en plus, c'est bientôt Ramadan, vous allez la kiffer. Elle est trop trop bonne. Vous mettez. Les oignons, je vais faire revenir dans le beurre de l'huile d'olive. Moi j'ai le tagine sur moi, je n'en prends pas à tagine, ou même dans une casserole ça marche aussi. Ensuite les filles, vous déposez vos boulettes. Peut-être que tu peux revenir les oignons. Donc ça va bien. Et ensuite les filles, vous ajoutez votre sauce, il faut juste recouvrir. Je crois que j'en ai trop fait. Ouais, juste, il faut recouvrir comme ça. J'en ai trop fait, mais c'est pas grave. Et ensuite, les filles, vous recouvrez votre tagine et vous baissez le feu. Ça y est, les filles, c'est prêt. Regardez, oh, les boulettes, elles sont archi tendres avec du pain et de la sauce. Oh, je vais vous poster la recette. J'aime trop manger par terre les filles. Oh là là, c'est trop trop bon. Vraiment. Juste la sauce, je crois que je l'ai faite un peu trop épaisse. Mais... non, même épais comme ça, c'est trop trop bon. Avec plein d'oignons et tout, j'aime trop la sauce rouge. Oh, on va revenir voir. Merci. Les filles. Avec du pain. C'est trop 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 bon. Je vais tout tenter à la crème. Je vais aller les mettre trop. Mais c'est une recette trop trop bien pour Ramadan les filles. Ça m'a envie de rentrer à Dubaï, de préparer Ramadan et tout ça les filles. Trop trop bon. Et vous pouvez mettre des olives ou des pommes de terre, mais moi j'aime comme ça. Mes bombes, à chaque fois je vous parle de la marque Blinks, c'est parce que j'aime trop les filles. Quand je suis indisposée, je porte que mes culottes menstruelles de chez Blinks. Alors c'est pas fait que pour quand on a nos menstrues, vous pouvez les porter tout le temps les filles. Elles sont trop jolies, si par exemple vous avez des pertes et tout, ben, c'est aussi pratique. Donc il y a plusieurs modèles, il y a des strings les filles, menstruelles c'est de la bombe. Il y a les boxers, il y a les tangas, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs motifs. C'est de la bombe et il y a zéro fuite. Et j'ai testé plein de marques, les filles. Vous le savez, je vous en ai parlé. Et pour moi, la meilleure, c'est Blinks. Je vous montre mes bombes. Il existe vraiment plein de modèles, plein de couleurs. Donc, vous avez les tangas, les boxers, les strings. Les filles, les strings, c'est de la bombe atomique. Regardez, en fait, tout là, il y a le tissu absorbant jusqu'en haut. Moi, pour savoir, je fais un 36 en string et un 38 en culotte. Regardez les modèles de culottes, les filles. Elles sont vraiment trop belles. On dirait même pas des culottes menstruelles. Regardez les couleurs. Donc, celle-là, c'est la même que celle. Les deux, c'est les mêmes. Celle-là, elle est noire. Et celle-là, elle est rose. Il y a vraiment plein de modèles. Les filles, on va tester ensemble. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Il y a zéro fuite. Donc, vous voyez, le tissu absorbant de devant jusqu'à en haut. Ensuite, regardez, je vais mettre de l'eau. Regardez les filles. Et en fait, ça va tout absorber. Voilà. Alors là, j'en ai mis beaucoup. Vous voyez, ça absorbe directement tout. Et les filles, regardez, il y a zéro fuite. Regardez, zéro fuite. Et après, pour le lavage, c'est très très simple, les filles. Vous les faites tout tremper. Et après, vous les mettez à la machine à 30 degrés sans adoucissant. Et vous les réutilisez. C'est réutilisable jusqu'à 5 ans, les filles. C'est vraiment un gain d'argent.
Là, j'ai un gros code Blinks, les filles, 55% de réduction. Et ce que je vous recommande, c'est de prendre des packs. Vous allez voir, il y a des packs. Moi, je prends les packs 3 culottes, par exemple. Celle-là, je l'ai en 3 fois. Celle-ci aussi, parce que vraiment, je mets que ça. Les filles, elles sont trop bien, trop belles, trop confortables. Bon, les filles, il y a Elijah qui est venue, mon petit bébé. C'est comme ma petite cousine, Elijah, je l'aime trop. Bref, les filles, je vais déposer mes cils. Mais je sais pas si je vais en remettre. Je sais pas, j'hésite. On essaye, on voit déjà, on fait la dévoise. Ouais. Oh my god. Regardez le cadeau qu'elle m'a ramené, Licha. Un ventilateur pour ta skincare. Ouais, dernière fois, je... eh ben, prends le tien, il a plus de batterie. Elle m'a dit qu'il était plus fort. Fais voir. Plus fort, encore. Ah ouais. Les filles, pour ma skincare, ça va aller deux fois plus vite. Oulala, là, je vais le faire tomber. La bave d'escalier. Ouais, je vais la faire. Bon, les filles, je vais retirer mes cils, là. Oh là là, j'enlève tout. Mais je sais pas si je remets les fils. Les filles, toujours vous me demandez ce que j'ai ici. Ben, j'ai une tache de naissance, les filles. Sur cette main, depuis que je suis petite, je l'ai. Et là aussi, regardez, c'est sur la même main, j'ai aussi une cicatrice, les filles. Les filles, Elijah m'a fait un cadeau. Elle m'a acheté cette robe. Regardez. Elijah, ça a pris du M. Un garçon. Elijah, de moi. Il y a un pépin là. C'est pas possible. Vas-y. Ah, c'est bon. Oh. Elle est belle, mais. Attendez. Mais. Elle est trop belle. Ben, en fait, elle me va, hein. Elle est courte, quoi. M'aplatis bien les fesses. Non, en fait, ça va, les filles. Elle me va. Mais bon, j'ai eu des messages, là, pour le code Rosomia. Donc, les soutiens-gorge que j'aime trop. Donc, regardez, c'est ces soutiens-gorge. Je les porte tout le temps, les filles. Ils sont trop bien. En fait, c'est des soutiens-gorge, les filles, qui sont sans armature, qui existent en 3 couleurs. Donc, noir, nude et rosé. Moi, je les ai en noir et nude. J'en ai plusieurs parce que je les aime trop. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est qu'ils ne compressent pas au niveau de la poitrine. Mais regardez, j'en ai en dessous. Ils tiennent bien les seins. Vous voyez, il n'y a pas d'armature. Donc derrière, vous voyez, ça ne fait pas les bourrelets ici. C'est trop confortable, les filles. Ils retiennent bien les seins parce que, regardez, ils se serrent au niveau d'ici. Vous voyez? Et moi, par exemple, je mets une taille L. Et du coup, comme j'ai la taille super fine, les filles, ici, vous pouvez les ajuster. Ils sont vraiment incroyables, les filles. Ils sont trop, trop confortables. Ils sont beaux portés. Ça fait pas de brûler là, tout est gueulasse. Bref, de la bombe ces soutiens-gorge des soutiens-gorge Rosomia. Je vous les montre de plus près, les filles. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont trop bien. Là, je vous le montre à l'envers. À l'intérieur, en plus, vous voyez, il y a un coussin nous. Donc, du coup, vous avez pas, on voit pas vos tétons. Regardez, ils sont hyper confortables. La matière, elle est trop, trop belle, les filles. Et il y a plusieurs couleurs. Donc là, je porte le nude. Là, je vous montre un noir. Et il y a un rose aussi qui existe. Et cette forme, il me semble qu'il y a plusieurs formes, les filles. Celle-là, moi, c'est ma préférée. Ça maintient bien les seins et tout. Les filles, ça, c'est toute ma skincare coréenne. Oh, regardez, je suis remplie, j'aime trop. Alors là, je vais utiliser ce toner. Déjà, double nettoyage. Avec mon huile à noix. Il faut que je la rachète, là. Elle est trop, trop bien. Ensuite, je vais mettre ce deuxième toner. Ensuite, donc là, j'ai arrêté le rétinol. Donc là, je mets ça en sérum de nuit à base de glycolique. Très, très, très bien, les filles. Ça fait une très, très belle peau. Tac, en sérum. Ça, sérum contour des yeux, les filles. Très, très bien, le typologie. Ensuite, en crème, je vais mettre ma crème contour des yeux Sweetnap Body. Et ma crème de nuit Sweetnap Body. Très, très bien. Voilà. Les filles, je fais ma skincare, là, j'ai fait mon double nettoyage. Vous savez, je ne me supporte pas ma tête sans cils. Hein. Là, c'est un exploit. Je suis sans cils et sans filtre. Bref, vous savez pourquoi quand j'étais petite, on m'appelait la taille. Parce que j'ai dû tirer. Bref. Je fais ma skincare. Ensuite.
J'ai appliqué mes toners. Là, je mets la bave d'escargot, les filles. Ça fait bizarre. Après, vous allez me dire, oui, t'es belle et tout. Moi, je me trouve pas belle sans mes artifices. Et ensuite, avant de passer à l'étape du sérum, les filles, il faut sécher. Et l'essence, les filles, il faut l'appliquer sur le toner mouillé, ok? On peut mettre jusqu'à 7 coups de toner. C'est bien ça, les filles, ça permet d'aller plus vite dans sa skincare. Sinon, je mets 30 minutes à la faire. Ensuite, sérum contre les yeux. Toujours avec le quatrième doigt, les filles, c'est la bonne pulsation. Et je mettrai un sérum pour faire pousser les cils aussi. Ce sérum de nuit, il est trop bien, les filles. Drink Elephant. Ma peau, depuis que je fais la skincare coréenne, regardez, les filles. C'est une dinguerie. On peut sécher. Ensuite, mes bombes en crème contour des yeux. La Sweet Naboji, elle est trop bien, les filles. Elle est bleue, c'est normal. Elle est au Nila. Elle permet d'enlever les taches, les filles. Les taches de coloration. Elle sera trop bien. Elle est trop bien. Hop là. Ensuite, crème de nuit, pareil. Crème de nuit, pareil, les filles. Sweet Naboji, elle est trop bien. On y l'a, elle est bleue, les filles. Elle hydrate, elle enlève les taches de pigmentation. Elle resserre les pores. Elle est trop bien. C'est normal qu'elle est bleue. Et après, quand on peut bien pénétrer, les filles, le bleu, il part. Mais le Nila, c'est un produit incroyable pour la peau, les filles. Ensuite, pour les lèvres, mon baume Girl Power, les filles, hydratant et éclaircissant. Je vous donne un code promo tout à l'heure, il est incroyable. J'en ai toute la journée, moi. Il est trop bien, les filles. Regardez ma peau. Dinguerie. Et là, mon Revitalage pour les cils, je l'avais acheté. Il me rappelle de trop bons souvenirs, les filles. Vous savez pourquoi? Parce que j'en mettais quand j'étais à la mec, vu que j'avais tout enlevé. Faut pas le masser, faut le laisser comme ça. Et j'avais bien récupéré mes cils avec. Les filles, je remange de mon tagine. Aussi, vous pouvez rajouter des œufs, de la coriandre. Moi, je préfère le sans œufs. J'avais pas de coriandre, il est incroyable, il est cro-cro bon avec le pain, les filles. Le chien est exceptionnel. Regarde Chanel, regarde, il aboie après la télé. Il a refusé de s'en aller. Oui. Mais alors, c'est qui Chanel? Mais alors? Mais alors, c'est Simba et le roi lion? Hein? Regarde, il y a qui à la télé, Chanel? Il est exceptionnel. Chanel. On dirait c'est toi, c'est ton frère. On t'a fait les calères. C'est exceptionnel, ce chien. Regardez-le. Bah alors Chanel, c'est qui? C'est toi, c'est toi.